trouve ça sympa que ma référente m'a proposé. Je participe à la 15e, j'ai dit ah bon, non, je ne paye pas venir. J'ai pas bien compris sur le coup, parce que j'ai pas la télé, j'ai zéro intérêt dans le cinéma. C'est pas évident parce qu'on sait que c'est sur un truc assez court quand même. J'avais très peur d'avoir le syndrome de la page blanche au début, qu'est-ce que je vais écrire, etc. Voilà, on m'a dit d'écrire tout ça, ça m'a fait un peu peur. Mais avec le scénario, moi j'ai peur parce que j'arrive pas à l'écrire en français. Elle m'a dit que si, ça allait être l'occasion de... Okay. À l'occasion de faire un travail. Je me suis dit, bon, tu vas une fois. Au pire, voilà, tu dis que t'es malade. L'essentiel que tu viens et que tu veux voir, tu sais. Une bonne chose de trouver une histoire ou un moment dans une histoire, peut-être que... Parce qu'un court-métrage, c'est pas comme un long-métrage où il y a toute une évolution. Dans un court-métrage, on peut raconter une vie, mais peut-être un moment d'une vie qui raconte cette vie comme, comment on pourrait dire, une photo de Cannes raconte toute la ville de Cannes, mais c'est pas un film. En fait, c'est très dur de savoir quoi raconter. C'est intéressant, par exemple, de parler d'un moment, juste un moment, c'est que c'est pas trop long, et qu'en fait, ça peut être une scène ou une impression, ce qui fait que c'est assez court. Je sais pas si vous avez vu, les scénarios ils sont pas très longs, c'est 4 pages, donc c'est bien de penser à un moment de votre vie ou un moment que vous imaginez, et après nous on va vous aider à en parler avec vous, à essayer de tirer dans tous les sens pour voir si ça fait une bonne histoire. Pour raconter un truc débile, c'est que par exemple, si je suis en vacances et j'écris une carte postale à ma mère, si je lui dis c'est super, il fait beau, on se baigne, génial. Tout le monde s'emmerde. Elle, en recevant la carte, et moi, en l'écrivant. Si je lui dis, j'ai perdu ma valise, j'ai été la chercher dans un endroit, là, j'ai vu des trucs incroyables, je suis tombé sur un chien avec 5 pattes, j'ai l'impression qu'il m'a jeté un sort. Tout d'un coup, on rentre dans un truc plus intéressant. Et pour elle, de le lire, et pour moi, de l'écrire. Tout ça pour dire que le malheur, il ne faut pas en avoir peur. Quand on écrit, au contraire, c'est le malheur... Et en écrivant le malheur, en écrivant la souffrance, en écrivant la douleur, il y a plein de choses qui se passent. Déjà, on s'en libère un peu parce qu'on arrive à le sortir et on intéresse beaucoup plus les gens aussi. C'est un scénario, ça va être intérieur commissariat à jouer. Et du coup, c'est beaucoup des dialogues. C'est beaucoup des dialogues et des descriptions d'action. Donc en fait, il y a moins de style. Donc les dialogues ont vachement leur importance. Dans ton intrigue, une des grosses scènes, ce serait au commissariat quand t'es arrivé. Il n'y a pas les bougies, il n'y a pas d'empathie, C'est l'usine, C'est pour ça que je trouve ça par exemple intéressant ce que tu dis sur le rouage judiciaire, parce que c'est quelque chose que moi en tout cas j'ai pas lu dans les scénarios. Je trouverais bien, c'est que dès la prochaine séance on se mette vraiment à écrire ensemble et que toi tu sois déjà dans le plaisir de l'écriture des scènes. Mais est-ce que ça te va, cette idée de Marie, de faire un truc très très simple? Ah oui, bah oui. On installe au début que Sarah, elle n'arrive pas à dire non, c'est-à-dire qu'elle se fait maltraiter, tout ce qu'il vient de faire, bah elle le fait. Moi je me dis, c'est énorme, c'est à la fin du récit, elle arrive à dire non. Ça j'ai bien compris, je suis trop bien. J'ai bugué pendant 10 minutes. انا بس شفت الدم فكرت بوشي قال لي ماما لا انه انا منيح بس انه رفقاتي جايين قالت لي عيطت امرت بس هو تحت الهي قلت لها اعطيني قالت لي مستحيل ما فيني اعطيك اياه دونك
En fait, nous, il faut qu'on intercale un petit truc qui peut nous donner des renseignements. Comme ça, ça fait un peu passer le temps du récit. Et nous, on a des informations. Parce qu'en fait, nous, c'est loin de notre réalité. Donc, ça nous permet de mieux comprendre. Aussi qu'un revient. La phrase clé, c'est on vivait bien quand il était. Ah ouais. C'est là où t'as l'idée, tu vois. C'est vrai que tu le fasses sentir. Ouais, ouais. Moi, j'ai dit que non, mais. Et puis ma mère m'ouvre pas la porte parce que mon père a décidé. M'a vu avec un garçon en train de l'embrasser alors que c'était pas moi. Et là, la couleur revient et là, je fais mes sacs. Et tu quittes. Et je suis là. Le plan est là, c'est-à-dire qu'on voit bien le début, l'élément déclencheur, enfin, tout est là. Après, il faut le mettre en forme de scénario. La sentiment qu'il a un petit problème à la naissance, il n'y a personne qui l'a dit oui, il a un problème. On ne la croit pas, ça dure. Et au moment où couperait-on, celle qui semble la plus fragile, celle en fait qui est debout quand toute la famille s'effondre et qui décide volontairement que ça ira. Être force. Porte avec tout, la société, la famille, mes enfants, ma vie, c'est bon. Et maintenant, il a 24 ans et je suis fière de lui. Sylvie le connaît, elle est très sociable, elle est capable de tout faire. Le personnage apprend qu'il est condamné par une maladie. D'accord. Et donc, il va se servir de ce don pour faire des choses plutôt positives. Donc, voilà. Cool. Elles font confiance à cet endroit pour guérir quelque chose qui a besoin d'être guéri. De vous guérir toutes les trois, d'arranger, de rétablir un nouvel ordre des choses pour vous trois, etc. Ça va partir un peu en fiction, parce que j'aime tout ce qui est paranormal, tout ce qui est... On va me servir de ça. Qui est dans une situation de violence conjugale, qui est un peu isolée. Oui, voilà, et puis il fait une rencontre, elle adopte un chien, errant. Et en fait, peu à peu, ça la guérit. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a comme idée, tout ça, c'était compliqué. Mais après, doucement. Il y a des choses qui sont remontées à la surface, mais. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire. J'ai l'impression que j'avais tout oublié, tout ce qui s'était passé, tout comme si mon cerveau avait complètement zappé. J'ai eu même des douleurs assez physiques quand j'écrivais, j'avais le dos bloqué. Donc je dirais pas que ça a été trop du plaisir, mais après je suis d'accord avec le côté du mal pour un bien. Parce que les cerveaux, des fois, ils bloquent les choses pour... Je trouve que c'est mieux, sinon on vit mal. Marie, j'ai adoré parce que c'est une fille qui est géniale, qui m'a bien appris des choses. Elle m'a aidée aussi pour trouver les mots. Moi, je parlais que de syrien, mais j'ai parlé un petit peu le français, mais elle comprend Marie. Parce que j'ai monté comme ça, après j'ai... C'était pas bonne. Et des fois, Marie me dit, oui, c'est bien, c'est une bonne idée, il faut continuer. Ouais, moi, c'est le travail avec Louise qui m'a permis d'être en confiance avec elle. C'est sur le moment, je ne me suis pas rendu compte de l'impact qu'elle avait eu par rapport à mon histoire, en fait. La première journée, je ne me suis pas rendu compte. C'est après, en fait, en écrivant comme ça et tout, et j'avais ces mots, ces phrases. Des fois, les DGM me regardaient comme ça, choquée. Des fois, elle me disait, mais tu ne te rends pas compte, des petits mots comme ça. Et après, j'ai créé un lien. Franchement, c'est grâce à elle que j'ai pu être en confiance et me dire, ouais, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut raconter les choses. Ils avaient fait preuve de beaucoup d'empathie et de respect et de patience. Et après, pour ma fille aussi, c'était un peu impressionnant parce que j'ai jamais parlé devant elle d'un truc comme ça. J'ai toujours cette histoire, j'ai mis à côté. On vit ça dans la maison, mais c'est à côté. On ne parle pas de qu'est-ce que j'ai vécu, comment j'ai appris ça. Et elle avait 5 ans à cette période-là, elle ne comprend rien. Et celle-là, bah, ça permet de rencontrer des gens, on relativise sur beaucoup de choses aussi.
Parce que quand je suis arrivée ici, j'étais pas bien dans ma vie. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas bien. Je ne comprenais pas, parce que dans ma vie, ça allait bien, mais au fond de moi, ça allait pas du tout. Et je comprenais pas, parce qu'il y avait rien qui faisait que... Et quand j'ai écrit, que j'ai posé les choses, je me suis dit, ah ouais, quand même, t'avais plus tout ça. Non, mais tu dis, pour moi, c'est une thérapie, en fait. Parce que quand t'écris les choses sur papier, non pas tu les oublies, mais voilà, j'ai vécu ça. Comme tu dis, j'en suis là, mais voilà, je suis là. Je suis là, encore. Thank you.